Shalom et bienvenue sur Vidéo Tabernacle. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est une joie de nous rencontrer dans le cadre de l'émission Nos expériences, au cours de laquelle nous essayons de partager les témoignages des grands hommes, les hommes qui ont été appelés à se tenir derrière la chair, ce dont le prophète se réfère en disant que c'est un don de Dieu à l'épouse de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous avions eu le privilège de rencontrer le pasteur Jean-Marie Mouya, qui est le pasteur de Sion Tabernacle, ici à Caen, en France. Que Dieu vous bénisse, pasteur Jean-Marie, et merci pour cette occasion. Oui, que Seigneur te bénisse, frère Jules. Merci beaucoup, pasteur Mouya. Aujourd'hui, c'est un privilège de vous parler. Nous parlons du message du temps de la fin et qui nous a été apporté par Dieu au travers de son prophète William Marion Branham. Et j'aimerais d'abord savoir, premièrement, comment est-ce que vous aviez cru en ce message du temps de la fin? Pour dire comment j'ai cru au message, je veux commencer par le début. Je suis sorti d'une famille catholique. Et ensuite, en 1981, en ce moment, nous avons embrassé la foi pentecôtiste dans un groupe de prière qui était à l'IMET. Et donc, cette même année, j'ai rencontré un frère qui lui croyait déjà le message. Il s'appelait frère Benjamin. Et il priait chez le pasteur Mukuna. Alors, il m'avait apporté le message, il m'avait même donné une brochure. La première brochure que j'avais vue dans ma vie, donc c'était celle-là, la brochure sur le premier sceau, la série de sceaux, dont le premier sceau. Et de là, il m'avait amené dans son église qui était à Lemba. Donc, et quelques temps après, j'ai pu découvrir qu'il y avait d'autres frères aussi qui se réunissaient déjà à Rédimé. Mais quand je lui en avais parlé, lui m'avait dit surtout de ne pas mettre pied chez les gens de Rigini parce que c'était des polygames. Selon eux, ils considéraient les gens de Rigini comme des polygames. Mais avec cette chose qu'il m'avait dit là, ça m'avait un peu refroidi. Mais je suis resté à cheval entre le message et le mouvement de groupe de prière. Donc j'ai continué un peu à avoir des brochures et surtout il y avait un frère qui habitait Louvoulou qui avait beaucoup de cassettes de frère Branham. Il nous prêtait des cassettes de frère Branham et on écoutait. Parfois on se réunissait à la maison, on écoutait les cassettes de frère Branham. Jusque en 87, à ce moment, j'ai quitté Kinshasa pour venir en Europe. Et de là, je recevais les brochures et les cassettes de la Suisse. J'avais beaucoup de cassettes de la Suisse et puis des brochures. Et de temps en temps, on se réunissait aussi à la maison, là où j'habitais chez ma sœur, on écoutait les cassettes de Frère Branham. Et ce groupe-là, avec laquelle on se réunissait. Aujourd'hui, c'est une grande assemblée à Paris. C'est une grande assemblée. Donc, les frères qui étaient avec moi à cette époque-là, ils ont une grande assemblée à Paris qui avait commencé là dans le salon de ma grande sœur. Après quelques temps, j'ai pu découvrir un frère qui était à Sarcelles. Et donc, je communiais un peu avec lui. Et ensuite, c'est un peu ça, je peux dire que ce sont des choses personnelles que je n'avais pas vu clair. Et j'étais obligé j'avais découvert qu'il y avait aussi un autre groupe qui était le groupe du pasteur Arthur. Donc, ensuite, donc j'ai fait partie du groupe de frères du pasteur Arthur. Voilà, c'est
comme cela, je suis resté là-bas pendant à peu près 5 ans. Donc, je peux dire un peu, ça peut être comme ça. Merci beaucoup, Pasteur Mouya, pour ce trajectoire. J'aimerais savoir, vous aviez été donné une brochure en 1981, en 1987, vous quittez Kinshasa jusqu'ici, jusqu'à joindre une église à Paris du pasteur Arthur. J'aimerais savoir, est-ce qu'en ce temps-là, vous aviez déjà senti un appel de Dieu, que Dieu vous appelait à être un ministre, un prédicateur? Bon, pour parler de prêcher, quand j'étais dans le groupe de prière, là-bas, j'ai prêché déjà. J'avais commencé à prêcher et je peux dire que là-bas, dans le groupe de prière, j'ai pu créer 2 ou 3 églises. Donc, je suis au moins sûr que 2 existent jusqu'à aujourd'hui. L'autre, c'est ce que je ne sais pas si cette église existe encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est là-bas que j'avais commencé à exercer le ministère, à prêcher la parole. Merci beaucoup. Vous étiez déjà prédicateur dans des groupes de prière. Est-ce que quand vous aviez reçu le message, aviez-vous réajusté votre compréhension de l'appel au ministère par rapport au message du temps de la foi? Bon, quand j'ai cru, je suis... Vraiment, je peux dire que quand j'étais donc dans l'église de Paris, je suis resté au moins 5 ans. Je ne prêchais plus. Donc, j'étais en train de voir un peu par rapport au message, comment faire pour pouvoir recommencer ou recommencer à prêcher. Donc, je suis resté au moins 5 ans, comme ça, sans prêcher. J'aimerais poser une question. Parmi les exigences du message d'un ministre, est-ce que vous aviez aussi pris toutes les précautions possibles de pouvoir, par exemple, se marier et surtout selon la condition d'un lévite? Moi, je me suis... Donc, j'avais trouvé ma femme. Elle était... On était encore dans le groupe de prière. Donc, je l'avais trouvée ici. Donc, le groupe là où j'ai dit on s'est réunissait pour écouter la parole chez ma grande sœur. Et c'est à l'église de Paris que nous nous sommes mariés. Merci beaucoup. J'aimerais savoir un peu en quelle année vous vous êtes mariés avec votre... Nous nous sommes mariés en 91. J'aimerais aussi savoir... Vous vous êtes marié, vous êtes à l'église de Paris. Et en quelle année vous êtes maintenant séparé de cette église pour commencer et quitter et commencer votre église? C'est en 94, fin 94, suite à certaines divergences. Donc... j'étais obligé de quitter l'église de Paris. Hein? Donc, quand j'ai quitté l'église de Paris, on avait déjà commencé, ma femme et moi, à la maison, on priait à la maison, on passait les bandes de Frère Branham, comme je faisais avant. Et ensuite, nous avons quitté là-bas pour venir ici. Merci beaucoup, pasteur. J'aimerais savoir, après avoir quitté, vous êtes venu, est-ce que vous êtes venu directement ici à Caen? Est-ce que c'est à cette époque-là que vous aviez directement commencé Sion Tabernacle? Nous sommes venus ensuite, après, puisque quand on avait commencé ici, on quittait Paris pour venir prêcher ici. Donc, j'ai fait cela pendant 3 ans et demi. Donc, je venais tout le week-end pour venir prêcher. Et ensuite, on rentrait à Paris. Donc, ce n'était pas une chose facile. C'est une grande expérience pour moi, puisque on quittait Paris, ce qui n'était pas déjà financièrement, c'était difficile. Et il fallait pouvoir, comment dirais-je, affronter cela. Et deuxièmement, le corps
Il fallait que le corps puisse supporter aussi. Parce que venir tous les week-ends prêcher, donc un prédicateur, avant de venir prêcher, il doit se préparer. Tout ça, donc ça, le corps, vraiment, il fallait que ce soit Dieu qui puisse nous soutenir. C'est vraiment une grande expérience pour moi que donc on avait commencé à venir de Paris, Paris, Caen, Paris, Caen, pendant 3 ans et demi. C'est comme cela. Et ensuite, je me suis décidé de venir m'installer ici. C'était déjà après qu'on avait fait 3 ans et demi de Paris, Caen. Merci beaucoup. Vous aviez commencé à faire le trajectoire de Paris-Caen. Et une des exigences de Frère Branham pour un ministre, il nous donne l'exemple de Moïse, disant que chaque ministre, avant de se tenir derrière la chaire, il doit faire une expérience comme Moïse et rencontrer Dieu face à face et rencontrer la colonne de feu. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de votre expérience par rapport à cette écriture? Je vais essayer de bon, je vais essayer un peu de d'expliquer ce que j'ai eu comme expérience avec le message. À cette époque, quand je suis sorti de l'église de Paris, j'avais eu une grande expérience que je peux même dire que c'est en ce moment que le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit. Du vrai Saint-Esprit. Il y a une chose que j'aimerais mentionner. Une fois, le Seigneur m'avait parlé personnellement pour le travail que je veux faire. Il m'avait montré certaines choses qui devaient m'arriver, des grandes difficultés qui devait m'arriver dans ma vie. Et pour moi, je m'étais fait certaines idées. Je pensais que bon, ça va être peut-être manque d'argent ou manque de ceci. Mais quand cette chose est arrivée, pour l'église que vous voyez là, il y avait, à l'époque quand on a commencé, on a eu beaucoup de gens qui avaient de mauvais esprits dans l'église. Et pour pouvoir sortir ces gens-là de l'église ou vaincre cette étape-là, parce que tout le monde qui vient à l'église ne vient pas dans l'intention de pouvoir vous, comment dirais-je, croire la parole. Hein, puisque nous voyons que même dans le ministère de Frère Branham, ça s'est passé. En Allemagne, il a eu des gens qui étaient venus avec des mauvais esprits. Hein, ça, c'était une chose que Dieu m'avait déjà prévenue. Hein, mais moi, je n'avais pas compris. Mais quand c'est arrivé, c'était une chose très difficile à pouvoir vaincre. Bon, maintenant, pour arriver à vaincre de tels esprits, si tu n'as pas une bonne expérience que Dieu lui-même t'a donnée, tu ne pourras pas. Parce que ça, ce n'est pas la chair et le sang qui peut vaincre de tels esprits. Donc, c'est pour dire que j'ai eu une grande expérience avec le Seigneur. Donc, quand j'étais encore à Paris, à l'intermédiaire du temps où j'ai quitté l'église et venir ici. Parce que c'était à cette époque, moi, je me consacrais beaucoup au Seigneur. Et c'est comme cela que j'avais compris que Dieu m'appelait au ministère. Il m'avait déjà prévenu que tu auras des grandes difficultés. Mais il faut les affronter. Et bon. Vous pouvez voir dans une église où les gens vont commencer eux-mêmes à déclarer ce qu'ils sont, qu'ils ont des mauvais esprits, qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas donné à tout le monde. Je pense que ça, vous pouvez comprendre. Bon, je ne sais pas, peut-être j'ai pas très bien compris, mais j'aimerais, si vous pouvez partager avec nous, parce que la plupart des jeunes ministres qui sont appelés, ont parfois le doute, d'identifier une expérience du baptême du Saint-Esprit. Et j'aimerais peut-être, par votre expérience, que peut-être beaucoup auront à traverser, de savoir peut-être dans quel cadre
cette expérience du baptême du Saint-Esprit est venue vers vous et comment peut-être quelqu'un pourra aussi identifier cette même chose. Ça, c'est une bonne question. Mais j'aimerais dire ceci. Vous commencez par le début. Quand j'étais dans les groupes de prière, j'ai eu beaucoup d'expériences. Des guérisons, des cancers, des paralytiques qui s'élevaient, des choses comme cela. Mais quand je suis venu dans le message, la chose qui m'intéressait, c'était vraiment la parole. Mais le chose surnaturelle, là, je ne le voyais pas. Je ne le voyais pas. Et ce n'était pas vraiment ça qui était mon souci, de voir les choses surnaturelles. Je voulais la parole. Parce que j'ai vu que dans le message, Frère Branham mettait plus l'accent sur la parole. Donc, quelqu'un peut dire, par exemple, que non, j'ai des expériences déjà dans les groupes de prière. Mais l'expérience que j'ai eue avec le Seigneur, quand j'ai dit que c'est en ce moment que le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit, c'est une autre expérience. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas croire que dans le groupe de prière, on pouvait recevoir le Saint-Esprit. Je ne peux pas croire ça. Donc, la chose qui me certifie que j'avais reçu le Saint-Esprit, déjà, c'est l'expérience que j'avais eue du surnaturel avec le Seigneur. Et de deux, que ma vie depuis ce temps-là a été changée, transformée. Et dans le sens où, même dans la parole, puisque pour pouvoir être certain ou certifier que j'ai le Saint-Esprit, c'est ta conduite dans la parole. Un peu comment Dieu te conduit dans la parole. Je vois comment Dieu me conduit aujourd'hui dans la parole. C'est tout à fait différent de ce que j'ai toujours été. Donc cette expérience, si je peux le mentionner ou bien dire ce que c'était réellement passé, bon, je préfère peut-être m'abstenir. Mais qu'il faut que arriver vraiment à quelque chose du surnaturel qui se passe dans la vie du prédicateur et qui fait que sa vie elle-même est transformée et la conduite dans la parole, puisque c'est surtout la chose essentielle. Quand tu peux voir ce qu'il y a dans la parole, même si tu ne le comprends pas, même si tu ne le vois pas, mais tu peux le croire. Ça, c'est une chose que quand je vois quelque chose dans la parole, je ne peux pas douter. Dans le message de Frère Branham, je ne peux pas douter de cela. Donc je sais que vraiment, c'est ça qui me certifie que j'ai le Saint-Esprit. Et vis-à-vis de l'expérience que j'avais eue, et vu le résultat, j'ai vraiment la certitude que j'ai eu. Parce que ce qui n'a pas été mon premier parcours dans le groupe de prière, j'ai eu aussi beaucoup d'expérience. Donc j'ai des gens qui, je priais pour eux, ils avaient des cancers, ils ont été guéris. J'ai des gens qui ne marchaient pas, ils ont marché. Donc j'ai vu ça dans mon ministère, dans le groupe de prière. Mais tout ça, après j'ai vu que non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, la chose essentielle, c'est la parole, d'abord ta position dans la parole. Bon, je sais que même aujourd'hui, Dieu aussi fait des choses surnaturelles, même dans mon ministère jusqu'à ce jour. Mais la chose importante, c'est ma position vis-à-vis de la parole, qui me certifie que j'ai le Saint-Esprit. Merci beaucoup, c'était une bonne réponse. Merci. Et il y a aussi d'autres citations où le frère Branham dit que vous connaîtrez même le jour. Est-ce que vous pouvez aussi attribuer votre expérience à une certaine période? Oui, je connais le jour, je me rappelle très bien. Mais seulement, je n'avais pas écrit la date. Mais je me rappelle très bien ce qui est arrivé. C'est quelque chose que je me rappelle. Je ne peux jamais oublier ça dans ma vie. Je ne peux jamais oublier. Merci beaucoup, Pasteur Mouya. Et nous allons prendre juste une petite pause et pour retourner et continuer avec les expériences du pasteur Jean-Marie Mouya, qui est le pasteur de Sion Tabernacle, ici à Caen, en France. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Allons pouvoir continuer avec la position, puisque le point de rassemblement nous fait connaître notre position.
Shalom et bienvenue de retour, toujours dans l'émission Nos Expériences. Et aujourd'hui, nous avions eu le privilège de rencontrer le pasteur Jean-Marie Mouyen, qui est pasteur de Sion Tabernacle, ici à Caen, en France. Pasteur, vous nous aviez parlé de comment vous aviez reçu la première brochure jusqu'à arriver ici en France et à commencer aussi votre église. J'aimerais un peu savoir, du moment où vous aviez réalisé que Dieu vous avait appelé à être ministre, est-ce que vous êtes resté sous l'influence de quelqu'un d'autre dans le ministère ou bien peut-être sous des conseils des grands pour apprendre comment se tenir dans le ministère? Bon, j'ai eu quelques conseils pour des prédicateurs. Donc, par-ci, par-là, surtout les frères et les pasteurs qui m'ont visité, hein, que je savais qui étaient déjà dans le ministère avant moi. Et, bon, ils me donnaient quand même quelques conseils par-ci, par-là. Mais je ne suis pas resté, puisque ici en France, on n'avait pas vraiment des anciens qui étaient aussi déjà bien formés à l'époque, hein, qui pouvaient aussi encadrer les autres. Bon, c'est un peu ça, ma manière de voir. Donc, de temps en temps, quand les prédicateurs venaient, ils pouvaient me donner quelques conseils, me prodiguer quelques conseils. Mais je pouvais aussi partager des expériences avec des bien-aimés qui sont ici en France. Merci beaucoup, pasteur. J'aimerais savoir, ça fait combien de temps où vous exercez le ministère pastoral ici à Caen? Ça fait maintenant, ça va faire depuis 96. Donc aujourd'hui, ça fait 17 ans. Donc au mois de mars, ça va faire 17 ans. Donc, parce qu'on avait commencé en mars, que là on avait trouvé une salle, mars 96. Et je me rappelle encore du premier message que j'avais prêché, puisque c'était la période où c'était la période de Pâques. J'avais prêché sur le sceau de Pâques. Et je me rappelle encore un peu l'ambiance qu'il y avait dans la salle et comment cette chose avait fait du bien aux enfants de Dieu. C'est ça. Merci beaucoup, pasteur Mouya. 17 ans dans l'exercice du ministère pastoral, vous avez sûrement vu beaucoup de choses, des hauts et des bas. Il y a beaucoup de difficultés, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une difficulté particulière, quelque chose vraiment dans le ministère que vous avez expérimenté, à laquelle vous avez confronté, et comment est-ce que Dieu vous a aidé à vous relever de cela? Qu'est-ce quelque chose que vous pouvez partager avec nous? C'est ce que je venais de vous dire là. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ce n'est pas puisque parfois les gens ils interprètent mal. Hein? Je veux dire, comme un jour j'ai parlé avec un prédicateur qui dit « Ah, mais toi avant, tu avais toujours des problèmes de sorciers. » Bon. Mais nous savons que ces choses existent. Et jusqu'à ce jour, j'ai beaucoup de gens qui sont dans ces esprits-là, qui me voient et qui se confient, qui arrivent à se confier. Donc, parce que je sais que j'ai une expérience quand même à pouvoir confronter ces esprits, ce genre d'esprit-là. Hein? Dieu m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et je sais que la plupart de mes frères, ils ne croient pas qu'un sorcier peut être délivré. Mais moi, j'ai toujours cru qu'un sorcier peut être délivré. Je crois à ça. Et parce qu'on ne peut pas citer les noms des gens. Hein? Nous avons, moi, j'ai des gens que je crois que Dieu les a délivrés. C'était la grande difficulté que j'ai eu vraiment de ma vie, pouvoir affronter ce genre d'esprit. Hein? Je sais que ce n'est pas la grâce de Dieu, puisque Dieu m'avait déjà prévenu
m'avait dit que tu auras des grandes difficultés. Mais je ne savais pas, moi je pensais que c'était peut-être un problème d'argent, des choses comme cela. Mais quand c'est venu, j'ai vu que vraiment c'est une chose, je peux dire même c'était surhumain, qu'un homme de chair ne pouvait pas arriver à surmonter ça. Mais Dieu, dans sa grâce, il a fait que je puisse surmonter ça. Donc il y a des gens pour qui on a prié, et aujourd'hui sont libérés, sont libres. Il y en a d'autres qui ont exercé même des choses, comme la Bible le dit. Ils ont donné leurs livres, ils ont donné des choses. Ce sont des enfants de Dieu qui prient, qui n'ont aucun problème. Donc je peux dire ça, c'est une grande expérience que j'ai eue dans ce message. Je ne sais pas si ça t'est satisfait ou tu as autre chose. Moi, je pense que ça, c'est une expérience spirituelle. Mais moi, j'avais voulu savoir s'il y a aussi une expérience dans le cadre de la conduite des gens. En tant que pasteur, vous conduisez un peuple. Est-ce qu'il y a d'autres aussi difficultés que vous rencontrez dans le comment gérer? Bon, la grande difficulté, nous savons que conduire les humains, ce n'est pas une chose facile. On peut arriver à facilement apprivoiser les animaux, des choses comme cela, mais un humain, c'est difficile. Et ce que je peux dire, Dieu m'a donné la patience de pouvoir comprendre les gens qui sont avec moi, qui prient dans mon église, donc mes brebis. Dieu m'a donné quand même être patient avec eux, pouvoir comprendre chacun dans les hauts, dans les bas, pouvoir les comprendre et pouvoir les aider, que Dieu puisse aussi arriver à les stabiliser dans la foi. Donc ça, je peux dire aussi, c'est quelque chose que j'ai rencontré dans le ministère. Il y a aussi autre chose que je peux dire financièrement, parfois c'est difficile. On a eu des choses comme cela, mais toujours faut être patient, savoir que Dieu fera. Si Dieu t'a appelé, il ne va pas te délaisser. Et surtout dans un pays comme celui-ci, où on a des loyers à payer de l'Église, si Dieu ne te soutient pas, ça va être très difficile. Parce que nous ici, par exemple, là où nous sommes, là, on paye 1500 euros tout le mois. Donc pour les avoir, ce n'est pas chose facile. Et toutes ces années, on a pu surmonter cela. On n'a même pas de dettes. Si on a eu des dettes, Dieu nous a aidés à les payer. Et je crois que ces derniers temps, comme on a des problèmes de mise en conformité, que peut-être qu'on a arrêté un peu de payer les temps qu'on puisse voir clair. Mais sinon, Dieu nous aide pour qu'on puisse arriver. Tout ça, on se remet seulement de main de Dieu et on fait confiance au Seigneur. Donc, quand Dieu appelle quelqu'un, il ne faut pas qu'il puisse hésiter. Il faut qu'il puisse simplement mettre sa confiance dans le Seigneur. Savoir que même s'il y a des problèmes financiers, Dieu donnera toujours. Il viendra au secours. Il viendra au secours. S'il nous a secourus, il va secourir tous les autres. Tous ceux à qui. C'est ceux-là qu'il a appelés. Il va les secourir aussi. C'est comme cela que moi je crois. Je crois qu'un ministre ne devrait pas avoir peur. De difficultés, que ce soit financier, que ce soit, il ne devrait pas avoir peur. Vraiment, je peux dire que Dieu nous a beaucoup aidés de ce côté-là, même dans la conduite des gens. Dieu nous a beaucoup aidés. Merci beaucoup, pasteur. J'aimerais parler un peu de l'autre œuvre que vous venez de commencer, je pense à Paris ou bien à côté de Paris. Parlez-nous un peu, ça fait combien de temps que ça a commencé et qu'est-ce qui a conduit pour que vous puissiez commencer cette œuvre? Quel est le souci ou bien comment cette conduite est venue à commencer cette œuvre? L'œuvre que nous tenons à Poissy, donc à Poissy, c'est une ville, une banlieue de Paris. Cette œuvre, nous avons commencer parce que nous avons des frères qui quittent Paris pour venir prier ici, pour venir communier ici. Nous en avons beaucoup. À un certain moment, il y en a qui m'ont demandé, qui m'ont dit, pasteur, si on peut aussi avoir une église à Paris.
Donc, je suis resté vraiment pendant un temps. Je crois, ils sont venus ici. Il y en a qui ont fait 2 ans, il y en a qui ont fait un peu plus, qui font des allers-retours pour venir prier ici. Mais, en fin de compte, en septembre, j'ai senti en moi que le temps était venu que je puisse répondre à cela. Donc, c'est pourquoi maintenant nous avons aussi une église à Paris. La plupart, c'est des gens qui venaient déjà ici. C'est avec eux qu'on a commencé. On n'a pas dérangé l'église de quelqu'un. On n'a pas pris des brebis qui venaient de telle et telle église. Mais c'était nos propres brebis qui habitent à Paris, à qui nous sommes allés donc au secours, donc à Paris. Voilà. C'est ça, donc l'œuvre de Paris. Merci beaucoup, mais moi j'aimerais un peu, y a-t-il une écriture dans le message ou bien dans la Bible qui appuie ces genres peut-être d'œuvres, que quelqu'un peut être pasteur d'une église quelque part, d'une autre quelque part et d'une autre quelque part? Y a-t-il une écriture qui soutient cela? Personnellement, je sais qu'il n'y a pas une écriture qui dit qu'on ne peut pas avoir une église quand on en a déjà une. Je n'ai pas cette écriture-là non plus. Hein? Donc, la frère Branham dit une chose, l'écriture sur laquelle je m'appuie, le monde est notre paroisse. Donc, pour moi, quand Dieu m'appelle à faire un travail quelque part, donc il n'y a pas de problème, je peux toujours aller le faire. Mais j'ai toujours une vision. Bon, je préfère peut-être me taire, puisque ça peut créer certaines choses dans ceux-là qui travaillent avec moi. Mais que Dieu puisse nous conduire. Hein. Donc, parce que ce n'est pas aussi facile de gérer plusieurs églises. Ce n'est pas une chose facile. Puisqu'il faut toujours avoir les brebis aussi à l'œil. Hein. Donc, c'est ce que je peux dire. Okay, merci beaucoup. En termes d'écriture, vous n'avez pas non plus une autre écriture qui condamne. Qui condamne, je n'ai pas. Je ne sais pas si vous en avez. Ok. Donc, si vous n'en avez pas, donc moi aussi, je n'en ai pas. Donc, je sais une chose, ma liberté, je m'appuie toujours sur l'écriture que je viens de citer de Frère Branham. Le monde est notre paroisse. Nous n'avons pas un autre credo que l'amour. Nous n'avons pas, je crois que tu connais un autre livre qui est la Bible. Donc, le monde est notre paroisse. Donc, partout où je peux aller, je peux faire le travail de Dieu. Merci beaucoup. Mais en termes de gérance, comme vous avez dit, ce n'est pas facile de gérer. En termes de charge, est-ce que vous ne trouvez pas que vous aurez à vous départager? Peut-être il y a un groupe qui peut bien bénéficier, ou bien comment est-ce que vous arrivez à vous départager? Il y a une chose, si on a cette église-là, je veux dire ceci, j'ai une vision, et c'est que Dieu a mis dans mon cœur. Donc, c'est un peu ça que nous voulons implanter cette foi-là, aussi, à cet endroit. C'est ça vraiment la chose qui me pèse à cœur. C'est que ce que je crois, ce que nous croyons ici à Caen, que cela soit aussi là possible. Et bon, si Dieu un jour me disait que bon, c'est quelqu'un d'autre qui va faire ce travail-là, il le fera. Si aujourd'hui, même ici à Caen, Dieu peut me déplacer. Dieu peut dire aussi que bon, tu peux aller à Paris. Toujours ça sera Dieu. Donc on se laisse conduire par le Seigneur. Parce que si on a quelqu'un qui peut bien exercer le travail ici, on peut bien le laisser l'établir et puis aller travailler ailleurs. Merci beaucoup. Nous arrivons vers la fin. J'aimerais savoir, parmi vos 17 ans que vous exercez déjà le ministère pastoral, est-ce que vous avez un conseil à donner aux gens qui aussi aspirent au ministère, qui viendront après vous? Quel est le conseil?
Je vais leur donner ce conseil-ci. La première des choses, si quelqu'un Dieu l'a appelé, Dieu ne nous appelle pas à être des fouteurs de troubles. Quand Dieu appelle quelqu'un, donc il va l'appeler pour pouvoir faire un travail. Donc Dieu l'amènera quelque part, il va faire un travail sans pour autant mettre du trouble dans d'autres églises. Et puis, ce que je peux dire aussi à ceux qui aspirent au ministère, de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur, Dieu va les soutenir. Si vraiment Dieu les a appelés, il va les soutenir. Hein? Donc, c'est le conseil que je peux leur donner. Frère Branham dit une chose, il dit, vous, jeunes ministres, ne restez pas à ne rien faire. Faites quelque chose. Donc, ils ne doivent pas rester, peut-être attendre que le pasteur leur donne la chair. S'ils peuvent faire quelque chose, distribuer des tracts, je ne sais pas, faire quelque chose de manière à attirer les gens, Dieu travaillera. Hein? Je pense que la moisson est grande, hein? Mais il y a peu d'ouvriers. Hein? Jusqu'ici en France, il y a au moins des grandes villes qui n'ont pas des églises. Il y en a beaucoup de grandes villes qui n'ont pas des églises. On peut prendre ici à côté à Rouen, il n'y a pas d'église du message. Il y a beaucoup d'endroits comme ça qui n'ont pas des églises. Donc je crois que si Dieu appelait quelqu'un, surtout faut être servi dans le ministère, et puis Dieu ouvrira des portes. Hein? Il ouvrira des portes. Ça, j'en suis certain. Si Dieu appelait la personne. Et que, surtout de ne pas avoir peur de commencer. C'est ce que je peux dire. Et juste pour terminer, est-ce que vous encadrez aussi des jeunes ministres ici chez vous? Oui. J'ai des jeunes qui ont cru ici chez moi, qui sont aussi des ministres. On les appelle les jeunes ministres, mais ce sont des ministres. Parce que c'est des gens qui sont déjà, qui sont rodés, qui peuvent aussi parfois, quand je pars, ils restent avec l'église, et je reviens, les choses marchent, et les gens sont contents. Donc j'ai encadré des frères qui sont là. Des gens qui ont cru ici et qui sont déjà qui exercent aussi leur ministère, sans aucun problème, sans trouble aussi. C'est bien, ça c'est une bonne chose. Merci beaucoup, pasteur. Nous arrivons vers la fin. Et avant de terminer, est-ce que vous avez un mot de la fin ou bien quelque chose que vous aimeriez dire avant de clôturer? En tout cas, déjà, je te remercie hein, d'être venu, pour surtout pour le travail que tu fais. Je suis vraiment très, très, très reconnaissant et que le Seigneur puisse te soutenir. Et ce que je peux aussi dire pour tous ceux qui aspirent, qui ont un appel dans leur cœur, qui n'hésitent pas, que Dieu vraiment les aide. Nous avons besoin de ministres, nous avons besoin qu'il y ait beaucoup des églises hein, au lieu de pouvoir faire se combattre les uns les autres. Que vraiment puissent se soutenir les uns les autres afin que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. C'est ça le souhait, mon souhait le plus profond, que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant, que ce message puisse être connu pour ces gens-là qui ne connaissent pas encore le message. Nous avons besoin de partir. Nous devons chercher la dernière brebis. Je crois que ça doit être le fardeau de chaque ministre. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. C'était le pasteur Jean-Marie Mouyen, qui est pasteur de Sion Tabernacle, à Caen, où nous sommes, en France. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'espère que ce témoignage édifiera et bénira le peuple de Dieu qui le suivront. Je remercie mon frère Jean-Paul Moudia qui est derrière votre caméra et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Oh oui, le messager, il est le point de rassemblement. Oh oui, le septième ange, il est le point de rassemblement. Oh oui, William Branham, il est le point de rassemblement. Dans cet âge où il y a la paix.
il est le point de rassemblement. Dans cet âge où il y a des divisions, il est le point de rassemblement. Dans cet âge où il y a la destruction, il est le point de rassemblement. Le messager seul reçoit la révélation, là où Dieu et l'homme se rencontrent à nouveau, là où est célébré le mariage de l'agneau, le point de rassemblement au temps de l'union, la seconde venue du Seigneur dans un homme, retournant dans son église pour être un prophète. Oui, le messager, il est le point de rassemblement. Oh oui, le septième ange, il est le point de rassemblement. Oh oui, William Branham, il est le point de rassemblement. Dans cet âge où il y a la confusion, il est le point de rassemblement. Dans cet âge où il y a des divisions, il est le point de rassemblement. Dans cet âge où vient la destruction, il est le point de rassemblement. Le seul lieu d'adoration que le Seigneur a choisi, là où Christ s'incarne dans la chair de son prophète. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite, disait David. La seconde venue du Seigneur dans un homme, retournant dans son église pour être un prophète. Oui, le messager, il est le point de rassemblement. Oh oui, le septième ange, il est le point de rassemblement. Oh oui, William Branham, il est le point de rassemblement. Dans cet âge où il y a la confusion, il est le point de rassemblement. Dans cet âge où il y a des divisions, il est le point de rassemblement. Dans cet âge où vient la destruction, il est le point de rassemblement. Urim Tumim, aujourd'hui c'est un homme, le même Dieu toujours caché derrière la peau, le Fils devenant le Père à nouveau, la référence finale dans toute contestation, la seconde venue du Seigneur dans un homme, dans son église pour être un prophète. Oui, le messager, il est le point de rassemblement. Oh oui, le septième ange, il est le point de rassemblement. Oh oui, William Branham, il est le point de rassemblement. Dans cet âge où il y a la confusion, il est le point de rassemblement. Dans cet âge où il y a des divisions, il est le point de rassemblement. Dans cet âge où vient la destruction, il est le point de rassemblement. Oh oui, le messager, il est le point de rassemblement. Oh oui, le septième ange, il est le point de rassemblement. Oh oui, William Branham, il est le point de rassemblement. Dans cet âge où il y a la confusion, il est le point de rassemblement. Dans cet âge où il y a des divisions, il est le point de rassemblement. Dans cet âge où vient la destruction, il est le point.